Bonjour, Brigitte et Bernard Blondeau sont très heureux de vous accueillir dans leur bâtiment réservé à l'accueil touristique. Donc on a une capacité d'accueil de 80 personnes. C'est une cuisine traditionnelle. Mon épouse cuisine avec essentiellement les produits qu'on prélève sur la ferme. On a aussi des chambres d'hôtes, 5 chambres spacieuses puisqu'elles font 25 mètres carrés sans les salles de bain. Et les gens qui soient en petit, moyen ou long séjour peuvent disposer de la Wi-Fi. Nous nous trouvons ici à Brinon-sur-Beuvron, chef-lieu de canton de 22 communes. Le vert pays des eaux vives se traduit par des images vraiment splendides. Quoi faire autour de nous? Je citerai en premier les étangs de veau et de beille pour la baignade. Ensuite, dans le même ordre d'idée, les étangs réservés à la pêche à Chevannes et Champalement. On est proche du canal du Nivernais. Il y a aussi les chemins qui longent le canal où on peut avoir une activité pédestre et essentiellement cyclo avec des paysages magnifiques. Bon, pour les amateurs d'histoire, on a des sites tunisiens et un site gallo-romain sur le canton puisque le site gallo-romain se situe sur Saint-Réverien. Et puis, on a des vieilles églises qui datent du XIIe siècle.